Le cinéma du parc a annulé lundi soir la présentation de films sur la Palestine dans le cadre d'une série de projections caritatives intitulée « Du fleuve à la mer ». Le cinéma du parc réagissait à la pression d'une pétition affirmant représenter la communauté juive de Montréal et du Canada. Un sit-in a été organisé dans le cinéma du parc à l'heure prévue de la projection pour répondre aux accusations de la pétition. Signée par plus de 1000 personnes, celle-ci réclamait une annulation de la projection, notamment parce que le nom de l'événement serait antisémite et que cette série de films pourrait inciter à la haine contre les juifs. Le collectif, à l'origine de la série de projection Regard palestinien, ainsi que des membres de Voix juive indépendante, ont pris la parole concernant ces accusations. From the river to the sea is not a slogan to us, but it's actually a literal description of where we're from and where our filmmakers are from. It is not an imaginative space that is the Zionist utopia and dystopia imagine. From the river to the sea is a place that exists long before Zionism and will exist long after. Voix juive indépendante, le titre de l'événement Du fleuve à la mer est aussi un slogan palestinien et un cri de ralliement pour la libération, la justice et à la restitution. Et aujourd'hui, on voit qu'ils se sont pliés à une censure au nom de l'instrumentalisation de la peur, soi-disant peur, de la communauté juive. Qu'on en arrête! Et Voix juive indépendante est là justement pour dire qu'il n'y a pas une seule communauté juive, au contraire. This is a clear demonstration of how Zionist propaganda weaponized the very real problem of anti-Semitism to censor the voices of Palestinians, of anti-Zionist Jews and their allies, and ensure silence and complicity in this genocidal settler colonial project. Les collectifs sur place dénoncent aussi la forte présence policière. Les prochaines soirées de projection sont maintenues et auront lieu durant les prochaines semaines à la Sala Rossa et au cinéma public. Les films sont aussi disponibles en ligne.